Et lui, alors? Il est mort. Vraiment? Je te remercie. J'imagine que c'en est fini pour moi. Et mon ange, je sais que tu ne vas pas m'emmener au ciel, mais tu pourrais prier pour moi, au moins. Non, mais ça va pas, la tête. Tu crois vraiment que je vais prier pour toi? Enfin, je te dois bien ça. Après tout, tu m'as sauvé la vie. Chacun son tour. Ferme-la! Et retiens-toi! Allez, on y va. Allez, lève-toi, sinon je te laisse ici. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai plus mal du tout. Je suis guéri. Et alors? Oui? Je t'ai guéri. Et après? Toi? Toi, tu m'as guéri? Mais j'étais presque mort. Incroyable. Alors tu es réellement un ange? Ne sois pas ridicule. Tu crois vraiment qu'il y a des anges sur cette terre? Je n'ai rien d'un ange. J'ai juste quelques pouvoirs de guérisseuse. Je m'appelle Edward Plunkett. J'ai l'air un peu louche, je sais. Mais toi non plus, tu ne respires pas l'honnêteté. Je ne suis pas comme toi. Et les gens comme toi n'ont rien à faire ici. Pourquoi es-tu venu? C'est à cause d'une rumeur. Une rumeur? Oui. À Londres, j'ai entendu dire qu'un fils de riche avait acheté un vieux monastère et qu'il avait dépensé une fortune pour en faire sa demeure. Et il paraît même qu'il a fait venir pas mal de filles. Il a l'air de se payer du bon temps. Et où est-il, ce monastère? Et c'est ce que je cherche à savoir. J'ai fait tout ce chemin pour inculquer la crainte de Dieu à ce gros fils de famille. Pour l'instant, j'ai rien trouvé. Et j'ai été attaqué par ce monstre. Il a failli me tuer. Une seconde de plus, j'étais au fond de son estomac à chanter des cantiques. Je n'aurais jamais dû acheter un aussi bon cheval. Il est trop rapide. Dommage, il t'aurait plu, des cantiques. Quand j'étais petit, j'avais une belle voix de soprano. Tais-toi un peu, ou je te laisse ici. Je m'appelle Koudelka. Alors écoute-moi bien, parce que je ne te le dirai pas deux fois. Si tu veux sortir d'ici vivant, ne me quitte pas d'une semelle. Compris? Merci du conseil, Koudelka.